thank you Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Si vous avez votre Bible, je vais commencer à lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler ici. Je lis donc à partir du verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la connaître est mise à la racine des arbres, tout arbre dont qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. Du Saint-Esprit et de feu. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir, pour cette occasion que nous avons d'être ensemble. Dans ta présence, tu te manifestes, Seigneur Jésus, là par ton esprit, où deux ou trois sont rassemblés en ton nom. Nous te demandons d'agir ce soir de passer dans les rangs. Seigneur, tu peux sauver, délivrer, guérir les malades. Nous te demandons d'agir puissamment, de fortifier chaque personne. Seigneur, place ta joie dans les cœurs par l'Esprit Saint. Nous demandons tout ce soir au bon nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jean-Baptiste a dit celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a parlé longuement du Saint-Esprit dans Jean 14, 15 et 16. Il a demandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Après son départ, ils ont obéi, en tout cas. 120 personnes ont obéi, sont montées dans la chambre haute et ces personnes ont persévéré dix jours ensemble, le jour de la Pentecôte selon Acte 2. Tous ont commencé à parler miraculeusement en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous connaissez l'histoire. Il y avait énormément de gens à Jérusalem pour la fête juive de la Pentecôte. Et ces personnes entendaient les disciples priant dans leur propre langue, Ils se sont arrêtés et Pierre a pu prêcher l'Évangile et trois mille âmes se sont convertis. Jésus avait dit, avant ce miracle, dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tout vrai croyant a besoin du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, de ce que Jésus a appelé le baptême du Saint-Esprit, qui est accompagné Parler en langue. Mais déjà avant cette expérience là, le Saint Esprit a été envoyé pour convaincre tous les hommes de péché de justice et de jugement. C'est lui qui nous attire vers le Christ, qui nous révèle le Christ, qui nous a à croire et à l'aimer. Selon Jésus-Christ, ses disciples avaient déjà le Saint-Esprit avec eux. Après sa résurrection dans Jean 20, il a soufflé sur eux, disant, recevez le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas encore fait cette expérience forte d'être baptisés, immergés dans la puissance. Du Saint-Esprit. Quand ils ont fait cette expérience, tous sans exception ont parlé miraculeusement en d'autres langues. Je voudrais donc parler un peu du Saint-Esprit ce soir, mais surtout du fait que Jean-Baptiste a dit Il vous baptisera du Saint-Esprit et le feu. Et de feu. Dans la Bible, le feu représente plusieurs choses. Dans l'Exode 19 au verset 18, nous voyons que quand Dieu s'est manifesté, il y avait un feu, il y avait de la fumée, en tout cas quand les dix commandements ont été donnés quand toute la loi était donnée à moïse sur le mont sinaï. toute la montagne était en feu, couverte de fumée. donc le feu représente la présence et la puissance de dieu. le feu peut représenter la justice de dieu. Car dans le Deutéronome, au chapitre 33, la Bible parle de la loi comme étant un feu dans la main du Seigneur. Le feu représente souvent le jugement de Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, quand il y avait des hommes rebelles, des gens qui avaient qui parlaient, qui murmuraient contre les responsables que Dieu avait choisis, quand ils ont vraiment désobéi, quand ils ont agi mal avec leur parole, Dieu a jugé. Et par le feu, je pense surtout aux deux fils d'Aaron, le sacrificateur, le frère d'Aaron. Il devait agir en tant que sacrificateur exactement selon les commandements de Dieu. Et un jour, ils ont décidé d'offrir à Dieu quelque chose de différent, de nouveau, quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes. Dieu déteste, il est les inventions des hommes et les religions inventées par les hommes. Dieu s'est manifesté, a donné sa loi, il a expliqué ce qu'il voulait, mais ces deux hommes ont offert du feu étranger. Nous n'avons pas d'autres détails, mais Dieu n'a pas accepté. De l'hôtel où on devait placer les sacrifices, la Bible dit que le feu de l'Éternel est sorti et a consumé ces deux personnes. Dieu était tellement en colère que il a dit à Aaron, le père, de ne même pas quitter sa tente, de ne pas entrer en deuil pour ses deux fils. Cela nous montre combien Dieu n'acceptera pas de faux pratiques, de fausses doctrines. Il n'acceptera pas quoi que ce soit qui est ajouté à sa parole. Il n'acceptera pas une personne qui enlèvera quelque chose de sa parole, qui changera le message de l'Évangile. Selon Galates, chapitre 1er, du verset 6 jusqu'au verset 9. Si quelqu'un altère ou change le message de l'évangile, cette personne sera anathème, maudit, damné pour l'éternité. C'est très, très important de ne pas accepter des pratiques, des doctrines qui ne sont pas dans le Nouveau Testament qui n'ont pas été enseignés par le Christ et ses apôtres. Le feu représente le jugement de Dieu contre de telles choses. Mais le feu peut aussi représenter la faveur de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie. Il y avait plus d'un millier de faux prophètes qui poussait le peuple à servir, à adorer des idoles, à starter, baal. Et il Élie, poussé par le Saint-Esprit, a défié ses prophètes. Il a demandé à ce qu'ils viennent sur le Mont Carmel. Vous connaissez l'histoire. Il a permis qu'ils qu prit leurs dieux, il a dit que le vrai Dieu va répondre avec le feu. En envoyant le feu consommer le sacrifice. Il a permis que eux ils prient en premier. Ça a duré très longtemps et rien ne s'est produit. Élie, quand il a prié calmement avec foi, la Bible dit que le feu est descendu et a consumé, non pas uniquement son sacrifice, mais les pierres et l'eau tout autour. Le feu représente donc la faveur de Dieu, dans beaucoup de cas. Le feu peut représenter la parole de Dieu. Jérémie a dit au chapitre 20, verset 9, que cette parole était dans son cœur comme un feu brûlant. Et je pense aussi à l'histoire du Christ qui, après sa résurrection, s'est présenté à deux de ses disciples sur la route vers Emmaüs. Et quand il a expliqué les prophéties, en ce qui le concernait. Après, les deux ont dit, mais nos cœurs brûlaient en nous quand ils parlaient de ces choses. Le feu peut représenter la protection de Dieu. Dans Zacharie, au chapitre 2, verset 5, Dieu dit qu'il serait comme une muraille de feu autour de la ville de Jérusalem. C'est une prophétie pour plus tard, et qu'il serait la gloire au milieu de cette ville. Dans le même livre de Zacharie, au chapitre 13, au verset 9, une autre prophétie déclare que un jour deux tiers des Juifs seront exterminés par les ennemis. Mais qu'un tiers serait protégé, mais en quelque sorte passant par le feu. Et Dieu le permet pour qu'il soit purifié, comme l'argent est purifié. Le Saint-Esprit agit de la même manière dans nos cœurs. Il désire nous purifier. Il désire nous révéler Jésus-Christ et nous transformer dans l'image de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, si nous prions, si nous le laissons agir, nous serons transformés de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous change. Je peux vous dire que j'étais déjà converti très jeune, mais quand j'ai fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, ça m'a libéré de la timidité, de la crainte. Alors je dois quand même vous dire que c'est à force de continuer à prier en langue qu'on peut rester libre de ces choses. Mais il nous change à fond. Mon frère qui était plus jeune, avant que je fasse l'expérience de la Pentecôte, quelque chose dans son cœur l'a poussé à le chercher aussi. Jusqu'alors, il n'était pas réellement chrétien. Dans notre famille, nos parents étaient vraiment engagés. On lisait la Bible à la fin des repas, on priait. Chacun priait. Et lui, il priait, mais c'était hypocrite parce qu'il n'était pas du tout converti, il ne croyait pas du tout. En fait, il n'avait que 12 ans. Mais en dehors de la maison, il avait formé un petit gang. Il volait dans les magasins. Il touchait à la drogue, fumait et tout. Et il lisait tous les livres dans les bibliothèques concernant les gangsters. Dans son cœur, dans sa tête, il voulait être un gangster et le plus puissant qu'on peut imaginer. Mais quelqu'un dans l'Église lui a parlé de l'expérience de la Pentecôte. Il m'a dit un jour, je vais aller à l'église, le jour de la Pentecôte, et je vais parler en langue comme les apôtres. Je me suis moqué de lui, je lui ai dit Mais tu ne peux pas, tu n'es même pas converti, tu es un hypocrite. Moi je n'avais pas fait l'expérience, j'étais converti, mais je n'avais pas encore fait cette expérience. Vous savez, il est allé le jour de la Pentecôte et il a parlé en langue. Et même pendant deux heures. Il rentre à la maison et chaque soir, il passe deux heures priant en langue. En un an, il avait lu ce livre quatre fois. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quatre fois. Ah non, non. À, à l'âge de 13 ans, il commence à prêcher. Il avait une manière de, de parler, de prêcher déjà, qui était tellement puissante que les pasteurs l'invitaient à prêcher. Il prêche toujours. Les pasteurs d'une église... Euh, ancienne église cathédrale en face de l'université de Princeton dans l'état de New Jersey. Ils ont trois ou quatre cultes euh, le dimanche, Et avec pas mal beaucoup d'étudiants de l'université. Ce que je dois vous dire, c'est que le Saint-Esprit l'a tellement changé même avant qu'il commence à prêcher, que <laughs> je ne pouvais pas le mettre en colère. Il m'avait fait des coups terribles. Il, il m'avait même frappé à la tête avec un revolver un jour. Après l'expérience de la Pentecôte, j'ai tout essayé. Je n'étais pas très sanctifié en le faisant. J'ai tout essayé pour le, pour le mettre à l'épreuve parce que je ne pouvais pas croire qu'il pouvait être changé à ce point-là. Il ne s'est jamais mis en colère. Peu importe ce que je faisais. Le Saint-Esprit peut nous changer à fond. Et je vous ai parlé déjà de nos pasteurs. Dans l'église où je me suis converti. Et du pasteur avec qui j'ai commencé dans le ministère, des, des personnes beaucoup plus âgées que moi, j'étais très jeune. En fait, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 19 ans, un de ces pasteurs voulait que je vienne travailler avec lui. Mais c'est. Les pasteurs qui étaient tous des frères, selon la chair, avant de se convertir, étaient des gangsters, de vrais gangsters. Ils avaient même, des, dans leur maison, des portes secrètes pour partir si la police arrivait devant, en dessous de leur maison. Ils avaient des manières de partir. Ils avaient même creusé un trou derrière la maison. Pour ensevelir leur voiture une fois, pour que la police ne, les, ne la retrouve pas. Mais Dieu a changé ces hommes à fond, mais à fond. Et Dieu s'est servi d'eux de manière grandiose. Le Saint-Esprit veut nous changer complètement. Complètement. Il veut nous façonner. À l'image de Jésus-Christ. Il nous donne de la ferveur dans nos prières. La Bible dit dans Jacques 5, au verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficace. Le Saint-Esprit nous donne de l'enthousiasme, la foi, une force. Incroyable, même quand on est persécuté, troublé, même torturé, même en face de la mort. Je pense à Étienne dans Acte 7, au verset 55. Étienne était utilisé de manière grandiose parce qu'il était rempli de foi et de l'Esprit Saint. Il y avait des très, très grands miracles qui se produisaient en plein air, partout où il passait, où il priait pour les malades. Et ça mettait en colère les mêmes personnes qui avaient fait crucifier le Seigneur Jésus. Finalement, ils étaient tellement en colère qu'ils ont décidé de le lapider. Et la Bible dit que, en train d'être lapidé, il était rempli de l'Esprit Saint. Il a vu les cieux ouverts, la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Et par la force du Saint-Esprit en lui, il a pu pardonner et prier pour les personnes qui le mettaient à mort, comme Jésus-Christ l'avait fait. Le Saint-Esprit peut nous donner une audace, une assurance incroyable pour témoigner. Je dois vous dire que, avant de faire l'expérience de la Pentecôte, j'étais vraiment timide, incroyablement timide. À l'école, je préférais recevoir un zéro que de me lever et de donner un exposé devant la classe. J'ai refusé plusieurs fois. Bien que converti, je n'ouvrais jamais ma bouche à l'Église pour prier. À haute voix. Jamais. Après l'expérience de la Pentecôte, j'ai été changé. Mais vous savez, quand on est timide, quand on est grandif, même si on a parlé en langue, à moins de parler beaucoup en langue, on peut rester avec la timidité. C'est le fait de prier assez qui nous édifie dans notre recueillement personnel. Notre Église, le groupe de jeunesse, allait assez régulièrement les samedis soirs dans la ville de Détroit parce qu'il y avait l'armée du salut qui donnait à manger à environ 800 personnes et il permettait que les différentes églises viennent. Chante, dirige une réunion, prêche pour ces personnes. Et notre groupe de jeunesse le faisait. Et nos responsables permettaient que les jeunes dirigent parfois les réunions. Je ne sais pas ce que j'avais comme âge. C'était sans doute quand j'avais 17 ans, parce que c'est alors que j'ai commencé à prêcher. Mais Personne ne m'avait demandé de prêcher, certainement pas devant 800 personnes. Mais en allant dans le quart avec le groupe, il me semble, si je me rappelle bien, que je devais quand même jouer la clarinette parce que j'ai donné des concerts de musique sacrée à l'époque. Mais en chemin, j'étais en train de prier en langue avec les autres pour la réunion, et j'étais rempli de foi, rempli de force, quand le responsable me dit, mais c'est toi qui vas prêcher ce soir. J'avais aucun message. Mais là, j'ai vraiment commencé à prier en langue. Et vous savez, j'avais rien de préparé, mais le Saint-Esprit a parlé au travers de moi et un grand nombre de personnes se sont converties. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. C'est lui qui sauve les âmes. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui peut tout changer. Vous savez que le jour de la Pentecôte, Pierre n'avait aucun message préparé. Aucun. Il ne savait même pas qu'il allait prêcher. Mais la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a prêché. Les 3000 âmes se sont converties. Nous devons dépendre du Saint-Esprit et non pas de notre propre sagesse, car c'est lui qui accomplit les plus grandes choses. C'est lui qui accomplit tout de ce qui est éternel. Le Saint-Esprit, dans Acte 4, a donné une énergie, une force, Nouvelles aux croyants. Ils ont été menacés de mort. Les responsables leur disaient de ne plus jamais parler au nom de Jésus-Christ. Il s'agit des mêmes personnes qui ont fait crucifier Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils ont prié tous ensemble et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a remplis de nouveau du Saint-Esprit. Et la Bible dit que même la terre a tremblé. Dieu a agi tellement fortement. Et la Bible dit que ces personnes sont parties, prêchant, évangélisant, avec assurance. C'est traduit dans d'autres Bibles par le mot audace. Nous avons besoin de cette plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'avoir parlé une seule fois en langue. Le Saint-Esprit désire nous donner une force renouvelée chaque jour, une direction nouvelle chaque jour. Et il a un message pour les autres qu'il veut communiquer au travers de nous. Ce n'est pas... Notre message, c'est son message qui compte. Le Saint-Esprit peut nous donner un empressement dans le travail. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, l'amour du Christ nous presse. Il a parlé du fait que nous avons le ministère de la réconciliation. Il a souligné le fait que c'est comme si Dieu exhortait par nous. Et c'est le cas. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme un consolateur. Jésus a dit qu'il était un autre consolateur, semblable à lui-même, uni avec lui-même, comme le Père, uni avec lui. Vous savez, nous avons besoin d'un consolateur. Si on fait vraiment pleinement la volonté de Dieu, nous aurons des problèmes. Est-ce que vous voulez beaucoup de problèmes? Est-ce que vous voulez savoir comment avoir beaucoup de problèmes? Chercher les armes, gagner des armes, troubler le royaume du diable. Et alors vous aurez des problèmes. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus a dit que dans le monde on aurait des tribulations. Mais lisez 2 Corinthiens chapitre 11 qui bouleversait le monde autour de lui, peut-être plus que même les autres. C'était Paul. Je ne sais pas combien d'églises il a commencé, mais il a gagné énormément d'armes. Et la Bible dit enfin, Paul, dans la liste de ses souffrances, terrible, flagellé, battu de verge, lapidé, il a fait naufrage plusieurs fois dans les bateaux. Il était attaqué par des brigands. Toutes sortes de problèmes. Mais il se réjouissait toujours. Et il nous appelle à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Il pouvait le faire parce qu'il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue sédifie lui-même. C'était la clé de sa réussite et de sa force. Le Saint-Esprit, si on le laisse agir, peut accomplir des choses qui dépassent tout ce que nous pouvons demander. Ou imaginer. C'est ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 3. Ephésiens 3, au verset 20. En premier, il veut nous remplir de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu. Mais le verset 20 dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est cette puissance qui agit en nous par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons Dieu veut agir au travers de nous, en nous, par le Saint-Esprit, il veut nous amener très loin. Il veut que nous ayons une vie de victoire. Il veut que nous soyons ouverts pour être utilisés. Vous savez, il y a un passage dans Acte 17 où les ennemis du Christ disent, mais ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici également, et Jason les a reçus. Que le, le Saint-Esprit nous aide à être de vrais disciples du Christ qui bouleverse le monde autour de nous. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Mais nous pouvons le faire si nous recevons le Saint-Esprit et si nous le laissons agir pleinement. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Selon l'Église, pour recevoir le Saint-Esprit, déjà, au départ, nous devons manifester notre amour envers lui en mettant ses commandements en pratique. C'est alors qu'il priera le Père et le Saint-Esprit nous sera envoyé. Pierre a dit dans le jour de la Pentecôte, quand a foule de demandait ce qu'elle devait faire pour sauver leurs âmes, il a dit repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé, c'est-à-dire le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui est réellement en règle ce soir. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore mis votre vie en règle. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment demandé à ce que Jésus sauve votre âme, à ce qu'il vous pardonne, à ce qu'il vienne en vous par son esprit. Si vous avez le désir d'être un vrai disciple du Christ, je voudrais prier pour vous ce soir pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière dans ce sens, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour l'instant, je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Nous avons l'habitude de prier les uns pour les autres à la fin de chaque réunion, comme Jésus l'a demandé, c'est-à-dire il a demandé qu'on prie avec l'imposition des mains en son nom. C'est lui qui agit quand nous sommes obéissants. Si vous avez élevé votre main, je vous invite à venir vers le devant. Si vous êtes malade physiquement, et vous croyez que Jésus peut vous guérir, venez. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, venez. Jésus vous l'a compris aussi avec l'imposition des mains pour les croyants ainsi. Si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine, je vous invite à venir vers les devant. Placez votre confiance en Christ. Faites-lui confiance. Je demanderai à toute l'Église de répéter une prière après moi aussi. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Priez avec votre cœur, bien que répétant cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tout homme a péché. Je te remercie car tu as envoyé ton Fils. Il est mort pour mes péchés. Lui qui était sans péché, tu l'as ressuscité le troisième jour. C'était pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Pardonne-moi tous mes péchés. Délivre-moi du pouvoir du péché. Change mon cœur, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je désire être un vrai disciple rempli d'amour, rempli surtout de ton esprit saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Donne-moi la force de mettre les commandements du Christ en pratique. Seigneur, je place tout à tes pieds. Je renonce à tout et à tous. Je veux faire ta volonté. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Change-moi à fond. façonne moi à ton image. Je demande tout au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, commencez à prier à votre manière.